Bon, clairement, il vous reste 10 minutes d'impro, alors petit conseil, installez-vous bien, sortez les Kleenex et allez vous finir tranquillement. Chaude comme une baraque à frites. Qui veut mon 06, les coquinous? Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Vous en avez clairement rien à foutre de ce que je vous dis actuellement. Vous êtes là juste pour kiffer les sons d'intro de ce live, puis ça fait des mois qu'on se tape la même phrase à la con, alors bouge ta cul, cono! Ça vient de prendre cher, je suis vidé. Égal un live de grand malade. Qui osera spammer dans le chat les mots on se bandit afin de savoir qui est le plus grand cono ce soir? C'est ce qu'on va voir.
et challenge, alors tape une exclamation balle dans le chat. N'hésitez pas, en attendant le début du live, à me follow sur Instagram et rejoindre le Discord parce que j'ai besoin de moula et de percer dans le game et j'adore les beats. Words, I hear the sound, it's trying to shut me all down. And I hear it deep inside, and it's speaking to me right now. Like, quit it, man, you will not make it. You will never get this crown. But it is these temptations that just wanna shut you down. But wait, hey, I did not listen to that. Cause you want me down at the bottom, but I don't wanna live like that. Man, I wanna live brave, and I wanna live good, and I wanna do things that I should. Now, you try to tell me that I'm nothing, I'm like my dude. Listen, I'm done with that, but I don't wanna live this way. So I've been on my path, yes, I chose a different way. And I've been going hard just every single day. So do not tell me what to do, instead leave this place. Je suis Colbain du passé. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser un message à moi-même qui ne fait pas tarder à arriver dans le live. Mais tu déchires tout et t'es trop BG. Maintenant, je m'adresse à vous, les connards. Dès les premières secondes où j'apparaîtrai dans le live, je vous demande de m'aduler et de m'ovationner tel un dieu grec, afin que je puisse m'autosatisfaire dans les meilleures conditions à l'issue de ce stream. Chase these better things, let's take up all of my benefits and kill all these fakes that eternally are better than one. Like, whoa, whoa, I really want them gone, so I can have some rest and I don't have to run. So I will open fire, I'm emptying my gun. So this once and forever can be done. Listen, I'm done with that, but I don't wanna live this way. So I've been on my path, yes, I chose a different way. And I've been going hard just every single day. So do not tell me what to do, instead leave this place. C'est le moment de stank, c'est le moment de foutre un maximum de bordel dans le chat. Il reste une minute, foutez-moi le feu. C'est parti. Thank you.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 chez moi, bienvenue chez vous, bienvenue pour cette semaine Full Track Challenge, le jour 1, mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouvert cette troisième semaine Full Track Challenge, yes, oui, comment oui, ça va, est-ce que vous êtes au taquet, est-ce que vous êtes chaud patate, est-ce que vous avez le gland détendu, est-ce que vous êtes au taquet, dites à vos potes, vos femmes, vos mères, vos darons de vous laisser tranquille car là, c'est important. La compétition est lancée officiellement ce soir. Qui va repartir avec le Little Alter Boy en fin de semaine? Ce sera quelqu'un parmi vous. Je n'en doute pas une seule seconde. Bonsoir en tout cas. J'espère que vous allez bien. À tous les nouveaux qui débarquent sur ce stream, je vous invite d'ores et déjà à taper dans le chat le point d'exclamation battle, le point d'exclamation challenge pour enfin avoir l'explication du track challenge, pour savoir ce que c'est exactement. Bonsoir à tous, bonsoir, voilà. Donc vous avez l'explication du track challenge. Je vais évidemment vous expliquer en détail comment va se passer cette semaine, car d'habitude, eh bien ce concept de live se retrouve tous les mercredis sur cette chaîne, les amis. Moi je suis nouveau Ota, comment tu vas mon pote? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu Ota. Yes, ça fait plaisir. Bon retour parmi nous Ota Prod, j'espère que tu vas nous faire des dingueries encore une fois. Hein. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Watermelon, je vous invite à aller follow déjà cet homme-là, car on l'a découvert cet après-midi, il est exceptionnel. Oui, il est très bon, c'est exceptionnel. Voilà. Donc les amis, semaine Full Track Challenge. Pour ceux qui connaissent déjà, eh bien, c'est du lundi jusqu'au vendredi. 5 Track Challenge. Que demander de mieux? C'est incroyable, les amis, je vous régale. Enfin, j'espère, hein. En tout cas, eh bien, donc nous allons faire 4 Track Challenge du lundi au jeudi, dit de qualification. Donc, chaque vainqueur de Track Challenge du lundi au jeudi sera qualifié pour une finale le vendredi. Et le gagnant de vendredi... Godox a rejoint les Kono. Merci du follow à Godox. Thank you for the follow. I don't know if you are not French, but merci. Voilà, exceptionnel. Bravo, bravo. Du coup, je disais oui. Donc, 4 track challenge, je dis de qualification. Attention, on va péter un câble. Il y a un abonnement. Il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte. L'alerte est cassée. He speaks Spanish. Oh, d'accord. D'accord, il n'y a pas d'alerte. Bon, ben merci du resub, Alexis, mais bon, l'alerte est cassée. Deuxième mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci, Alexis. Donc, du coup, continuons, s'il vous plaît, les amis. Donc, 4 track challenge, 10 de qualification pour une méga finale le vendredi. Et le vainqueur de track challenge de vendredi, parmi les finalistes, recevra le Little Alter Boy. Je vous régale, les amis, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, chaque qualifié repartira avec un pack de samples, si vous ne le saviez pas. Le Secret and Seek Essentiel. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, allez chercher. Donc, chaque qualifié repartira déjà avec ce pack de samples. Et nous allons le remettre en jeu aussi. Pour tous ceux qui voudront faire le track challenge vendredi pour une compétition annexe, hein, hormis la finale. Voilà les amis. Après, bon ben voilà, il suffira d'être bon, hein, challenge de 90 minutes à partir d'un sample. Je rappelle que dans les semaines Full Track Challenge, nous sommes en best of. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Alors attendez, attendez, il y a des alertes, les alertes sont cassées. Qu'est-ce que tu me fais? Les alertes sont cassées, Ruik.
Rien à foutre. Putain. Alors attends, parce que je vais essayer de réparer les alertes là, parce que ça va pas là. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as gagné au loto ou ça se passe comment? Ah ouais, il a gagné au loto. Il a Stonks. De ouf. Heroic Prod. Bon bah, alors déjà, chose qu'on peut dire, c'est merci, hein. Merci Heroic Prod pour les subs offerts. Putain. Le zizi tout droit, tu régales bébé. Oh ouais, non bah là il régale, hein. Il régale, hein. Il m'a Stonks, hein, d'un coup là. Putain. Tellement qu'il m'a Stonks, j'ai tout cassé. Alors attendez. On va voir pourquoi ça ne marche pas quand même. Pourquoi les alertes ne marchent pas quand même. Bordel de merde. On va y arriver ou pas? Plus d'activité. Attendez. Recharger les... Ah, attendez. Ça arrive. Non. Ah non, ça arrive pas. Ça n'arrive pas. Bon bref, désolé, il n'y a pas d'alerte. Hein, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. On espère que ça va remarcher juste après ça. En tout cas, merci beaucoup Eric Prod. Hein, merci pour les subs que tu as offert à toutes ces personnes-là. Ça fait extrêmement plaisir. Bravo, exceptionnel. On commence une semaine full track challenge par me ralas. Ça, c'est exceptionnel ça aussi. Hein, putain, je suis flou. Allô Colbina, remets ton chapeau s'il te plaît. Hein. Voilà, pas d'alerte, bah non, bah écoute, elles sont cassées, hein. J'ai rechargé, là, on verra après, hein, ça va... Attends, je reteste, hein, attendez, on va tester. Yes, ça marche, c'est bon. Mais bon, ça marche. Xavier Godox. Excellent. A rejoint les connus. Godox, allez, merci. Oui, il y a toujours la cagnotte d'ailleurs, hein, la cagnotte des points de chaîne. Hein, d'ailleurs, pour tous ceux qui redébarquent sur ce stream, regardez les points de chaîne, ça peut vous intéresser. Hein. Yes! Ah ben voilà, ça y est, toutes les alertes qui arrivent à vous. Heroic Hop, Prod c'est la session permet alerte. À Time to Bloom d'être connu. Yeah! Heroic Prod gifted à tiers un sub to Time to Bloom. Je crois que c'est bon, là, c'était le temps que Stream Element qui se mette bien parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup là? Alors, il est 21h22, on va peut-être pas écouter toutes les alertes, hein, au final. Alors, hop, on va faire ça. Heroic Prod permet à Phoenix-bas d'être connu. Attendez, est-ce que ça va bugger ou pas bugger? Heroic Prod gifted à tiers un sub to Phoenix-bas. Normalement, j'ai mis en pause les alertes. Ah, mais ça marche pas! Mais qu'est-ce que c'est? Attends, skip, sauter. Ok, y'a rien qui marche. Wow. Heroic Prod permet à les alertes Heroic Prod. Il a tout cassé. Heroic Prod gifted à tiers un sub to SIIDE-BAOF. Oh mais merde! Il a tout cassé! En fait, le centre de ce soir, c'est l'alerte. Ouais, non, mais on est un petit peu là-dessus. J'aimerais bien vous présenter le centre de ce soir, mais là, concrètement, bon, bah, c'est pas possible, hein. Rembourse en fait. Ah ouais, bah, je vais te rembourser. Heroic Prod permet à Supabab. Il a pris Twitch, il a cassé en deux. Ouais. Heroic Prod dit qu'il a tiré un sub. Il en refait ça derrière dans la foulée. Oh là là, il a tout cassé. Bon, et en plus, Stream Element, putain, ça me casse les couilles, ça marche pas. Heroic Prod ah, coupez permet le son. À Flobby attendez. Tirer bas la vieille d'être cono. Heroic Prod gifted à tiers un sub to Flobby tirer bas la vieille. Non, ça marche pas, hein, ça marche pas là. C'est tout cassé. Heroic Prod permet à Kissé Music d'être cono. Heroic Prod pourquoi t'achètes l'antithéo? Bah oui. Tout Kissé Music. Fait bon avant, il y a pas la vieille. Oh. Salut Lop, bonsoir à tous, bonsoir, installez-vous. Salut Heroic Thomas aussi, Prod je viens de voir. Permet à Square tirer bas perception. Bon, bah, désolé, normalement à 21h20 je vous fais découvrir le sample, mais là ça prend un petit peu plus de temps parce que Stonks, hein, voilà, vous connaissez. Hein. Yes. Watermelon, il s'est fait ralasse d'un coup. Heroic ah là là, Prod il arrive permet ici, prend à Watermel bon, 0 on tirait bas d'être yo Mardan, yo. Heroic yo les mecs, installez-vous. On n'a pas découvert le sample encore parce que c'est pas fini encore, mais putain, oh là là. Attends, il y en a combien comme ça? Il y en avait combien là? Bordel. Heroic Prod attends, permet à Jeremix d'être connu. On en est où là? On a même pas fait la moitié? Si, Heroic on a fait la moitié Prod quand même. Heroic Prod gifted à tiers un sub to Jeremix. Allez, encore. Il en a refait derrière Prod encore. Permet mais à Swanger 4 nœuds d'être cono. Heroic Prod gifted à tiers un sub tout bon, 3 sinon, ça va, 4 nœuds. Coupez-moi-t-il, mais qu'est-ce que tu crois que je fais depuis tout à l'heure? J'arrête pas, j'ai
mais ça marche pas. Heroic Prod permet à des JS Everstone d'être Kono. Je vais essayer un autre truc, c'est bien streamer le maintien. Un sub tout des JS. Attends, et si je fais ça? Ah! Ah, c'est bien là. Ah là, c'est bien. Ah! Il est déjà 3h. Ah, c'est bon, Genius. Ok, c'est bon, c'est réglé. Merci Heroic en tout cas, encore une fois. Allez, encore 4. Sympa la coupe. Merci Morden. J'adore. J'adore. Bon les amis, allez, je vais vous présenter le sample de ce soir. Donc j'étais en train de dire qu'on est en mode best-of, hein. On clôture donc la saison 3 à l'issue de cette semaine Full Track Challenge, les amis. Donc les samples qui vont être effectués tout au long de cette semaine ont déjà été faits dans des Track Challenge hebdomadaires. Rappelez-vous donc, ça faisait comme ça pour le sample, pour le sample de ce soir. Petit fils de flûte. Voilà donc le sample de ce soir. Alors, je vais vous envoyer le lien, vous pouvez le récupérer, les amis, tout de suite. Début du challenge à 21h30. Attention, on ne démarre pas avant. Donc, je vous laisse 4 petites minutes pour télécharger le sample et donc de partir faire votre petit challenge. Donc, comment se passe le challenge? C'est très simple, il faut faire de la musique à partir du sample, autour du sample, hein, les amis. Donc ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, merde, c'est... C'est ma musique, je crois que c'était une alerte encore. Du coup, donc, à partir de 21h30, vous comptez 90 minutes de production. Donc, fin du challenge à 23h. Merci du follow, Kazoo Music. Vous avez vu, on a coupé les alertes parce que là, ça commence à bien faire. Donc, fin du challenge à 23h. Ensuite, une fois que vous avez fini le challenge, vous exportez, vous mettez sur SoundCloud et vous m'envoyez en MP. Pour tous ceux qui ne sont pas sur Discord, voici mon Discord. Vous devez m'envoyer en message privé Discord. Donc, votre participation. Et à l'issue de ça, je récupère toutes les participations. Et nous faisons les écoutes, le vote. Et voilà. Et fin de Track Challenge. Et on se retrouve demain pour la suite. Voilà. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde. Donc, soit vous vous mettez un chrono chez vous, hein, avec vos téléphones, je ne sais pas quoi, 90 minutes, donc faire à 23h. Sinon, je vais vous afficher un petit chrono. Alors regardez, hein, c'est pas le début du challenge, mais c'est juste pour montrer aux petits nouveaux de ce soir. Donc vous avez un chrono qui va apparaître juste là. Donc vous pouvez laisser le live tourner sans le son, afin de savoir le temps qu'il reste à parcourir en temps réel. Hop, je l'arrête, parce que ce sera pour juste après. Easy. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Bonsoir Charvé, bonsoir Bébé Matt aussi, hein, que j'ai vu. Désolé si je loupe vos messages, hein, je suis en pleine explication. Je pense que c'est... Je participe pas aujourd'hui, flemme, je suis fatigué. Bah écoute, Thomas, tu peux rester parce que vous savez que j'ai prévu un petit programme d'ailleurs. Pour ceux qui ne font pas le track challenge... Oh, merde, arrêtez l'enregistrement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé l'enregistrement, je faillis arrêter le streaming. Ah ah, excellent. Donc pour tous ceux qui ne font pas les challenges et qui veulent quand même rester ici avec moi, il y a un petit programme de prévu pendant les 90 minutes de challenge, car je ne fais pas les track challenge pendant les semaines full TC. Donc ce soir on va aller regarder des épisodes de DJ Mode d'emploi pour tous ceux qui ne veulent pas faire le challenge, hein. Voilà. Donc viendez. Oui, ça fait longtemps Bébé Matt, ouais, j'avoue. Donc Thomas, si tu veux rester avec nous, tranquille, hein, on va, pour ceux qui veulent pas, Yolop, oui, je t'ai vu tout à l'heure, on va regarder des petits épisodes de DJ Mode d'emploi. Ce qu'on va faire aussi, c'est demain, je vais vous donner tout le programme, hein, vous l'avez peut-être vu sur Discord, hein, je ne sais pas. Donc demain, pendant le challenge, on fera des mini-jeux internet, voilà, du style Petit Bac, Scribble.io, tout ça. Mercredi, on va faire le blind test des Kono. J'en dis pas plus, tout est dit dans le titre. Jeudi, on refera du React sur DJ Mode d'emploi. Enfin, du React, on regardera 2 nouveaux épisodes de DJ Mode d'emploi. Et vendredi, on fera un track review de la honte. Du coup, Coco, sois poli, tu animes 2 lives en même temps. Bonsoir, le live d'Heroic Prod. Et ben, vous savez quoi, vous pouvez aller aussi follow Heroic Prod et aller suivre sa participation, parce qu'apparemment, il est en train de le stream. S'il y en a d'autres aussi qui sont en train de stream leur participation, n'hésitez pas à balancer vos liens dans le chat, que les gens aillent voir, hein, pour ceux qui sont uniquement spectateurs. Peut-être qu'on ira voir aussi, hein, on ne sait pas, entre 2 épisodes. Voilà, et sur le Discord, donc n'hésitez pas, à tous ceux qui stream, à partager vos streams, hein, évidemment, avec grand plaisir. C'est quoi les règles du Track Challenge? Voilà, c'est fait. Impeccable. Merci Thomas, quelle efficacité. Yes. Donc voilà, 21h29, il reste une minute, et après, bah, c'est le début du challenge. Oui, non, mais si tu mets mon lien, ça va pas. Ben non, Heroic, n'importe quoi.
Il met mon lien, ce couillon. Mais quel cono. Mais quel... Petit fils de pute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Heroic Prod. Bon, bref. En tout cas, streamer de son état aussi, Eric Prod. Hein. Heroic Prod, si vous voulez aller voir ça. Les amis, il est 21h30. Je lance le premier track challenge de cette semaine. Bon courage, bonne prod à tous. On se retrouve dans 80 minutes pour les plus courageux et les meilleurs d'entre vous. Des bisous. Et on va faire le point d'ici 2-3 minutes aussi pour savoir qui c'est qui reste avec moi. Qui c'est qui va regarder des épisodes de DJ Mode Emploi. Hein, histoire que vous m'accompagniez. Parce que voilà, moi je vais être un petit peu tout seul. Hein, en attendant que les copains bah, ils font leur TC. À mon avis, ils sont pas mal ce soir à participer. Donc voilà. Stonks, stonks. Ok, nice. Merci Kazu si tu es encore là. Je viens de voir ton MP. Parfait, parfait. Allez-y, allez-y. Participez avec grand plaisir, les amis. Faites-vous plaisir. Nice. Moi, je reste un peu. Je vais aller lire ensuite. Ça, c'est bien. Tu es quelqu'un qui lit, Thomas. Ah ouais, grave. Nice. J'aurais pas cru. Parce que je suis quelqu'un de sérieux. Bah, tu vois, non, je le crois pas. Je le crois pas une seule seconde. Alors, Thomas, tiens, tant que j'étais là ce soir, là. Est-ce que tu es content de ton passage dans la dernière vidéo, Thomas? Comment... Bon, j'ai déjà eu ton ressenti, mais je veux te le voir écrit, là, tout de suite, en live. Okay. Est-ce que tu es content d'être passé sur la vidéo, hein? Non. Oh, punaise. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Surtout, j'adore, parce que Pops, elle a un timing incroyable. Elle le sait pas, mais elle a le meilleur timing du monde. Il faut que la seule musique qu'elle dégomme du EDM Quiz, ce soit un viewer, un cono, tu vois, hein, donc... Elle a bien choisi quoi. Odéon, tu vois, elle est passée crème à côté. Mauvaise pub, remboursement demandé. Quel remboursement? Tu m'as payé toi? T'as payé toi? Bop. Rien du tout. Bon allez, je vais aller chercher le DJ mode d'emploi là. Sur YouTube. Kissem Wave. Pourquoi j'ai ça qui apparaît? Mais non, c'est pas ça que je veux. DJ mode d'emploi. L'émission incroyable avec Bobby. Ah, Bobby nous a manqué en vrai. Hein. Remboursement d'honneur. Ah, ça je peux pas. Désolé. ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Bon, qui reste-t-il hormis Thomas? Il y a que Thomas qui est avec moi pour garder du DJ mode d'emploi là. Bah écoute, si il y a que Thomas, c'est déjà mieux que c'est bien, c'est très bien d'avoir Thomas. Hein. Moi je suis très content. Hein. Thomas, voilà, c'est Thomas, c'est le simple. Ah merde. Attendez, parce que j'ai recordé un truc cet après-midi. Et voilà, et on me voyait plus. Yes. Coucou. Je suis là. Alors, ben mon petit Thomas, est-ce que tu veux choisir l'épisode là? Sachant qu'il y en a trois là, il y en aura un de plus sur Dailymotion. Attends, je dis peut-être des conneries parce que là j'en vois un. Sugar Daddy, on a DJ Snavan 2, Eva De Cost 3, 4. Ah non, on en a 4 là. Donc soit Magnum B, Eva De Cost, Snavan ou Sugar Daddy. Non, vas-y, choisis. D'accord, et eh ben je vais choisir la jante féminine. On va aller voir Eva Decoste. Hein, allons-y. C'est vas-y. Je vais boire un coup, en attendant. Il y a une rupture de stock d'annonce, petit fils de pute. Ah bon? Comment ça? Comment ça, il y a une rupture de stock? Ça marche plus? DJ, un métier qui fait rêver. Palace, gloire et fortune. D'ailleurs, le métier de DJ est aujourd'hui devenu un phénomène. J'avais aucune. Mais je crois que Stream Element il avait un problème. Faire partie des DJ superstars, il me dit que j'ai aucune alerte de. Aucune activité de stream. Parmi ceux qui sont devenus des DJ. Bah, Stream Element il a dû bugger. Il y a Bob Sinclair. Ah, Bobby! Des DJ sets aux quatre coins de la planète, Bob Sinclair fait partie des tout meilleurs. Et aujourd'hui, il a choisi de partager son savoir. Oui, son savoir. Dans DJ Mode d'emploi saison 2, Bob Sinclair poursuit sa mission. Aider des ok, non, mais Stream Element, je crois qu'il est cassé en fait. Meilleur. Il a un mois pour les coacher. Vous n'avez aucune activité de stream. Wow. Putain, c'était là, c'est le candidat difficile. Donc, ça, c'est comme ça que tu mixes avec ton masque. C'est ton déguisement. Quoi. Ah, le papy. Je vais me faire de house. Ah, connect with Twitch. House, ben. Minimal, un peu. Ça fait attends, il y a déjà 4 styles différents là. Oublie le scratch à tout jamais. Non, mais même au micro, tu peux pas faire des choses comme ça. Si. Allez, on y va, on s'ambiance. DJ ok, emploi, bon bah Stream Element il est cassé. Hein. Relève à nouveau le Error disconnect before. Zone. Quoi? J'attends énormément des DJ. Oh. J'espère pas être déçu. Attends, je règle en même temps le Stream Element là parce que c'est cassé de ouf. Donc j'espère que je vais pouvoir leur apprendre quelque chose et les aider. Non, ça marche plus, ça me dit rupture de stock.
What? C'est possible ça? Yeah! Bon, j'espère qu'elle va relever les niveaux des gonzesses hein, sur cette émission. Je vais essayer de transmettre aux gens, c'est sortir de tout ce qui est radio. La radio, c'est bien, je dis pas, mais on écoute des titres toute la journée en boucle. Et le soir, on n'a pas envie d'écouter la même chose, quoi. Bien, pas mal, pas mal. Bel esprit déjà. Va-t-elle y arriver? Enfin, elle dit sortir de la radio, elle nous joue quand même Calvin Harris, Rihanna, quoi. Hein. Ah, c'est seulement pour petit-fils de flûte? D'accord. Bah, je vais regarder ça en même temps, Thomas. Pas mal de conseils, du coup, pour la prod, pour tout ce qui va être technique. Peut-être pour m'aiguiller un petit peu plus aussi, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Il est temps maintenant pour la prod. De vivre l'aventure DJ mode d'emploi. Putain, elle aussi va se faire ghost prod. Mais non. Rencontre avec Bob Sinclair. Network error. D'accord, ok, donc Stream Element est bien cassé. Hein. Ça met network error carrément. Bonjour à tous, moi c'est Eva de Coste, j'ai 26 ans, je suis de Bordeaux. Ça fait 4 ans que je mixe maintenant et là on va aller faire un petit tour chez Bob Sinclair. On va lui dire bonjour, puis on va rigoler. Tu as l'air d'être quelqu'un assez simple et détendu, donc pas prise de tête du tout. Ça va être sympa, ouais, je pense que ça va être sympa. J'espère. T'as, elle est pas stressée quoi. Sympa la moquette. Elle est absolument pas stressée. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bienvenue. Merci. Assis-toi, attends, je vais rapprocher un petit peu la chaise. Merci. Mon antre. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Je suis pas né dans ce studio. Hein. Ah bon? Ça a travaillé dur pour construire tout ça. Oui, je vois ça, il y a du matos, quoi. Il y a quelques disques. Ah, c'est pas de la déco, hein. C'est ma bibliothèque musicale. C'est là où je pioche toute mon inspiration. Tout est là. Et toi, tu viens d'où? De Bordeaux. D'accord. J'ai commencé par une saison au Cap d'Agde. Le sud-ouest. J'ai acheté du matos, j'ai bossé dans ma chambre toute seule en 2 mois. D'accord. Et après, j'y suis allée au Gaufre chercher une saison. Et je suis partie là-bas. Mais t'es arrivée comme ça, tu dis bonjour, je suis DJ, et ils t'ont dit ouais, vas-y. J'ai mis sur internet, j'avais mis DJ cherche saison. D'accord. Et puis voilà. Et ça t'a plu? Mixer juste du généraliste pour les vacanciers, tout ça? Bah non. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que le Pacha, je suis pas restée. Je dis pas que c'est pas bien. C'est un exercice qui est oui. magnifique pour oui. ensuite. Ouais. Parce que ça te fait, quand ça, tu mixes du généraliste, c'est, ça que ça, c'est une très belle expérience. Donc Bordeaux, bref, quand tu es jukebox, oui, c'est une bonne expérience. Oui. Oh, on va se marrer. Alors, mixer généraliste, c'est l'horreur. T'arrêtes pas d'être jukebox plus qu'autre chose. Hein. Putain, tu demandes si t'es vraiment DJ au final. Là, on va faire un petit tour à Easy Fit. C'est la salle de sport où je m'entraîne. Ah, y a Red qui stream aussi. Tiens, on va aller voir les deux là, juste après. Je vais entraîner ma copine l'épisode. Alors attendez. Oh, ça commence bien encore cette histoire. Parce que on se rappelle, hein, l'autre Sophie, je sais pas quoi, mes couilles, hein. Elle était arrivée, elle avait dit ouais, moi je suis DJ et tout, je veux Stonks. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un concert à une Ghost Prod. Elle arrive déjà d'entrée à faire du sport. Salut, pourquoi tout le monde dit Easy dans le général du Discord? Je sais pas, parce que écoute, Quadji, je pense que tu connais un peu l'ambiance ici. Hein. Quelqu'un a dit Easy, une deuxième personne a dit Easy. Et voilà, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Mais rien de, voilà, rien de sorcier ou quoi, hein, vraiment rien. Comment tu vas, Quadji? Quadji, est-ce que tu veux faire le TC? Évidemment, hein. Si tu veux faire le TC, je peux te jouer le sample, hein, et te dire que là, déjà, on est en semaine Full Track Challenge aussi. Et qu'il y a un sample pack à gagner, plus une place en finale de vendredi. Oh, tout ça. Coste à la forme normale, sa salle de sport, c'est un ou alors tu restes tranquille avec moi, si tu veux. C'est quoi le TC? C'est quoi le TC? Tu connais pas le TC? Tu fais de la musique toi, Quadji? Je sais même plus. Il me semble, hein. Voilà, je t'ai mis les règles, hein, si jamais. Merci. Ça va? Ça va toi? Oui. T'es prête? Ouais. À la forme? Ouais. Bon, alors attendez, parce que... Ah, Track Challenge! Oui, Track Challenge. Ah, j'ai dit TC. Oui, c'est vrai que l'acronyme, du coup, bon... Attendez, parce que là, je m'épose à l'épisode. DJ mode d'emploi. Qu'est-ce que... Mais quoi? On n'est pas sur Thibaut InShape, là. Merde, DJ mode d'emploi, s'il vous plaît. On va voir du mix ou quelque chose. Pas de, pas de, du sport, on s'en fout. Oui. Je t'en ai amené une. Je te connais. Eva est une battante qui ne lâche rien. Un esprit sain dans un corps sain. Elle me fait un peu de misère, des fois, mais... Elle est mignonne. Ses qualités de coach, c'est qu'elle n'a jamais rien. Elle est toujours. Ah, mais c'est son boulot. Ah, ouais, d'accord. Ah, Track Challenge, putain, je suis trop bon. Oh, tu dois être un peu fatigué, Quadji. C'est normal. C'est lundi en même temps. Et chez elle, la pratique du sport, c'est aussi une façon de rendre hommage à la musique. Je
calme. Il y a vraiment un rapport entre rythme cardiaque et musique. Les BPM, les battements par minute, c'est ce qu'on... 10 ans d'études, pour savoir ça. Oui, la musique, BPM, oui. Salut les gars! Ah, Onyx, tu n'avais pas débarqué dans le live que t'avais déjà ta répute hein, ce soir, hein, j'ai envie de dire. Ça part en DJ Keke. Ouh, pas loin. Non, parce que j'ai vu un petit message passer du style, bon bah, de toute façon, on sait comment ça va se passer. Onyx, il va débarquer en mode random, il va gagner le TC, il va aller en finale. À ce qui paraît. Bon, en vrai, tu sais ce que t'avais fait à la deuxième semaine Full Track Challenge, hein. Ah, sérieux? Oui, j'ai vu ce message passer. Qui m'a fait doucement rire antérieurement, hein, parce que c'est tellement vrai. D'ailleurs, c'était la semaine Full TC 2, tu t'étais qualifié le lundi aussi. Je pense que tu veux le sample, hein. Si tu es là, c'est que tu veux le sample. Déjà, le sample, c'est celui-là. Hein. Ah, pas la tête à participer. Ah oui, d'accord, ok. Pas de soucis. Je te le joue quand même, si jamais ça peut t'intéresser. Tu veux du rythme cardiaque? Oui, bon, voilà, on s'en fout, la musique, rythme cardiaque. Donc il y a vraiment une relation entre musique et... Oui, BPM, musique, battement par minute, bon oui, d'accord. 5, okay. C'est reparti, tout de suite, jumping, on remonte, allez, vas-y. Pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Mais il est pas mal, on va donner aux gens... Ah bah, on commence avec un truc un peu plus abordable, quoi. On fait ça plus le tempo, pour les gens, c'est nous, comme une tennis de table. C'est de la transmission, c'est apprendre aux gens, les encadrer, les aider, les suivre. La musique, c'est pareil, on donne, c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas, je suis toute seule dans ma cabine, j'ai mon casque et je regarde pas les gens, je les écoute pas et je fais pas en fonction d'eux. Au contraire. Oh, c'est bien déjà, elle a le bon esprit. Repose-toi, tu pourrais prendre forme demain. va te doucher. Ok, coaching, ça c'est fait. Puis maintenant, on va passer à la deuxième partie, le côté la bise. Sur la nuit. Alors, est-ce que t'es... Bon, allez, je vais juste dire bonjour. Ok, bah c'est sympa, aussi. Onyx, merci. Et bah, j'espère qu'on va te... J'espère qu'on va te revoir à l'issue de cette semaine. Hein, parce que bon, t'avais été finaliste la dernière fois. Et puis, t'as peut-être une petite revanche à prendre. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, repose-toi bien. Et puis, on te fait des bisous, mon poteau. Aujourd'hui, pour nous raconter sa life de DJ. Le déclic, vraiment, ça a été un soir où je bossais. J'étais en train de faire ma mise en place derrière le bar. Je me suis pris la tête avec mon responsable de bar. Je me suis barré. Je suis partie. Wow. 3h30 avant l'ouverture de la... Oh, la rebelle. Du coup, j'ai acheté mon matos et je me suis mise à mixer à la maison. J'ai une patte, on va dire, voilà, musicalement, comme tous. Hein, on a notre style. Après, je J'espère que non, faut qu'il laisse la place. Il a une répute. On dit que si t'es encore là, t'as vraiment la répute. Je force pas là-dessus. Bon, en même temps... Je force pas sur une image. Quand on est bon, on est bon. J'ai pas fait de prod encore. Faudrait que je m'y mette, je sais. Donc, pour le moment, ça marche. Oui, faudrait que je me fasse ghost prod. Il va falloir trouver... Voilà, un petit plus qui va faire la différence aussi. 18h, Eva de Coste se prépare. Ce soir, elle va mixer, elle veut être impeccable. On est obligé de faire attention un minimum à l'image qu'on renvoie. Sûr, si on arrive à moitié sapé en jogging, pas maquillé, les cheveux comme ça et tout. Non, il n'y a que DJ Snake qui peut faire ça. Je suis pas persuadée que la résidence ou les dates, ça continue. Ah non. Faut s'appeler DJ Snake pour ça. Être DJ, c'est être au centre de tous les regards. Eva le sait, et elle ne le vit pas très bien. Pour les clients, le défi, c'est d'avoir le numéro du DJ au Facebook du DJ. Donc les gens, ils sont un petit peu des fois dans cet esprit-là, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ah, allez, encore une display. D'un côté, on en rigole un petit peu, mais les soirs, c'est bon, quoi. C'est moi tranquille, quoi. Je suis là pour mixer, t'es pas en train, t'es pas au marché, quoi. J'ai jamais été vraiment... Je sens qu'on va avoir un bel épisode encore, là. Non, là, 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 là. Avec les gens. Après, il y en a toujours qui viennent poser un numéro, qui viennent... demander quelque chose, qui insistent un peu, qui ont les verres au-dessus des platines, ça c'est le truc, voilà, au-dessus de la cabine, truc qu'on aime pas trop en général. Ouais, je sens qu'on va avoir un bel épisode encore. Il est 20h, Eva choisit les salut, titres. Salut Pouxy, comment ça va? Eh, ça fait un moment. Musique au dernier moment. Pouxy TV. C'est un peu ce que j'ai rentré. Ça régale. Ce qui me parle, ce qui me parle pas. Et ouais, je réfléchis un peu à ce que je vais pouvoir jouer ce soir. Je prépare pas mes... Ah, DJ Snake. C'est énorme quand même. On a parlé de DJ Snake, on l'a vu sur le MP3 là. Comment il va ce mec là, Pouxy TV? Est-ce que le monsieur veut faire du track challenge? Du coup, pour te répondre à la question, du TC, je suis pas fort pour ce genre de défi, mais peut-être que j'essaierai de mon côté. Wadji, en tout cas, bon, bah, il y a une compétition, il y a des lots à gagner, certes. Après, c'est ouvert à tout le monde, hein. Je le dis à chaque fois, c'est un très très bon entraînement, n'empêche, pour Stonks. C'est vrai, hein, ça a été prouvé et approuvé par certains. C'est un vrai entraînement, ce genre de défi de sample challenge, track challenge. Donc voilà. Écoute, en tout cas, le sample, ouais, ça fait grave longtemps, ça peut aller. Double fracture du pied, mais ça va. Ah, d'accord, double fracture du pied. Bah, écoute, courage, force à toi, hein, et force pas trop, pour le coup.
Bon bah je pense qu'on va te voir toute cette semaine, mon petit Pouxy. Ça va être un régal. Ah, totalement d'accord. Voilà, donc si jamais bah, vous voulez faire le track challenge, quoi, j'ai Pouxy, hein, je vous balance le sample, vous en faites ce que vous voulez. Sinon, vous restez avec moi aussi, c'est sympa, parce que moi, je ne fais pas le track challenge pendant la semaine full TC. Et là, j'ai prévu un petit programme, donc pendant les 90 minutes de challenge, ce soir, on regarde des épisodes de DJ Mode d'Emploi. Et puis voilà. Ça se voit, t'as des gens qui vont aimer que du hip-hop, bon, là, moi, je vais être embêté si c'est le cas, mais voilà. Tu peux pas prévoir. Puis ça a pas de vie si tu prévois à l'avance. 21h, premier mix de la soirée pour Eva. Ça a pas de vie si tu prévois à l'avance. Bah non, faut prévoir un minimum quand même. Elle est de Bordeaux et on va aller faire un petit tour au stand de l'O7 qui s'appelle le Life. Je vais aller mixer. Ah, enfin du mix. Putain, j'ai cru qu'on était en train de regarder Thibaut InShape là. À côté de vous, je suis une grosse merde. Ah, mais dis pas ça, quoi, G, dis pas ça, faut pas dire ça. T'as sûrement moins d'expérience que nous, c'est tout. Hein. Ça fait combien de temps que t'en fais de la musique, quoi, G, en vrai? Ouais, ok, pourquoi pas. Comme ça, je fais chauffer la machine plus. Machine plus, ouh, ça, c'est du bon matos, ça. Bah écoute, Pouxy, avec grand plaisir. Hein. Je rappelle que ce soir, il y a un pack de samples à gagner pour le finaliste, hein, le futur finaliste, hein, celui qui va se qualifier pour la finale de vendredi. Donc, voilà, donnez le meilleur de vous-même, hein, ceux qui participent. Et pour m'améliorer, je le fais de mon côté. C'est une très bonne idée aussi. Et n'hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu l'es fait de ton côté et que t'en es satisfait, à nous partager ça sur Discord. Hein. Avec grand plaisir, Quadji. Hein. Avec grand, grand plaisir, on écoutera ça. Enfin, moi, j'écouterai en tout cas avec grande attention pour voir un petit peu tout ça. Mais non, c'est tout à ton honneur. Il n'y a pas de souci, mon petit Quadji. Eva offre un set musclé, mais pas trop. Dans sa tenue sexy, mais pas trop. Et être une fille DJ, alors, c'est comment, Mademoiselle de Coste? Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, voilà, c'est toujours joli, regarder une fille derrière les platines. On nous le répète assez souvent, on le sait. Bah alors, il y a un mec aussi. Pourquoi? Et pas forcément, des fois, par rapport à la musique. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des patrons de club qui me proposaient du booking, qui me demandaient si je mixais seins nus, ou quelle tenue je mixais. Ah ouais, non, mais là c'est de l'échangisme. C'est une boîte chelou, là, faut pas y aller, là. Ça fait 8 ans que je fais de la musique, mais 1 an et demi que je fais de la prod. D'accord, ok. 1 an et demi, donc de MAO, on va dire, 8 ans de musique. Après, voilà, c'est toi, tu dis que tu fais 1 an et demi de musique, mais ça veut rien dire. Au final, ce qui est important, c'est le temps qu'on y alloue. On y alloue par jour, par semaine, par mois. Tu vois, Klein, en 1 an, il est devenu de rien à un truc pas mal du tout. Sauf que lui, il est passé vraiment tout son temps, hein, vraiment, grâce au chômage et tout ça. Donc c'est tout est relatif. Hein. Perso, j'ai commencé la prod il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, Thomas. Je pense que t'as pas mal charbonné parce que t'as un bon petit niveau aussi, hein, Thomas. T'as mixé au Cap d'Agde ou quoi? Non, ouais, Bordeaux. Enfin, c'est pas loin. Qui avait même pas écouté ce que je faisais comme musique, quoi. On part au théâtre maintenant, hein? Ah, le théâtre, ça c'est une bonne boîte. Ça. C'est mon fils, Klein. Sérieux? Level up. Ok, level up après un mix. Eh ben, bon courage, hein. Si c'est ton fils, hein. Et modérateur ici, hein. Je vous connais. Voilà, je connais le bougre. C'est la seule expérience que j'avais eue avant, c'était piano pendant 3 ans quand j'étais petit. Et bah écoute, c'est pas mal, c'est déjà mieux que rien. Mais pas trop, Eva s'apprête maintenant à prendre que les platines. Si, moi, je fais un petit peu de prod de temps en temps. Ouais, voilà, de temps en temps, donc c'est vrai que c'est plus dur d'évoluer quand on en fait que de temps en temps. Hein. Oula, ce plan, attends, on va changer le plan. Voilà, merci. Parce que, ouais, de temps en temps, bon bah c'est sûr, l'évolution est plus lente, mais ça n'empêche pas d'essayer quand même. Hein. De toute façon, on y alloue le temps qu'on peut allouer. Hein. Voilà. Ils grandissent si vite. Ah là là, ils grandissent si vite. Ah, c'est du souci. Hein. C'est du souci. Alors, Time to Blom, bienvenue à toi en tout cas. Hein. Je te découvre. Hein. J'ai vu que tu as commenté ma dernière vidéo sur YouTube. Merci à toi en tout cas d'être là ce soir. J'espère que pour le moment, ça te plaît, tout ce que tu es en train de voir. Et on est en train de... On est sur une semi-abandon ou ça se passe comment là? Ou on est juste spectateur, Time to Blom ce soir? Time. Ce sera juste Time. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Eh ben écoute, partagez. On change de décor par rapport aux épicuréales où c'était assez populaire, les gens étaient en train de dîner. Là voilà, on passe le level up, tu vois. C'est le théâtre, c'est à la pression là. Ouais, c'est le une bonne boîte. Le visage d'Eva n'affiche plus la même sérénité. Là, elle semble vraiment dans son mix. Le sourire, lui, est resté au vestiaire, mais c'est clair, Eva, elle en voit. Ce que je vais essayer de transmettre aux gens, c'est de sortir de tout ce qui est radio. La radio, c'est bien, je dis pas, mais on écoute des titres toute la journée en boucle.
Et le soir, on n'a pas envie d'écouter la même chose, quoi. Donc on est pas mal à essayer de ma pomme, si tu savais. Oh là là là. Le soir, on n'a pas envie d'écouter la même chose. Mais malheureusement, le public français, il écoute de la merde à la radio. Et qu'est-ce qu'il veut le soir quand il sort? Enfin, quand il sortait à l'époque. De la merde! Putain! Oh là là. Pff. Nouvelles qui vont sortir de l'ordinaire, des sonorités un petit peu différentes pour que les gens se disent tiens, il y a autre chose que ça. Si faut juste faire tout un son ou juste un drop. Tu fais le meilleur son possible. Vraiment, il n'y a pas de limite de temps ou de contrainte, machin. Il faut faire la meilleure track possible en 90 minutes. Hein. Alors voilà, c'est que 90 minutes, c'est pas facile. Donc voilà, faire le meilleur truc possible en 90 minutes. Ok, easy. Allez, je sens qu'on va s'éclater là. On dit Bloom. Ah, Bloom, pardon. Et t'inquiète, poteau, les deux, je suis chaud bouillant depuis le temps que le fiston baigne dedans. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, ça peut me faire rapprocher de lui et sa mère. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Tu peux redrop le sample, s'il te plaît? Je l'ai lâché le téléphone pour le PC. Ok, nice. Merci, Thomas. Ok, j'ai rien besoin de faire. Ça, c'est un régal, ça. Femme DJ avec une expérience encore c'est un régal. Limitée. Et si elle a fait appel à DJ Mode d'emploi, c'est qu'elle a une idée bien précise derrière la... Elle veut se faire Ghost Prod! Je vous spoil. Hein. Avoir pas, mal pas de style imposé non plus, pas de style imposé. Pour tout ce qui va être mettre votre style, ce qui vous passe par la tête, l'inspire du moment. Have you been... Oh putain, cette track, elle était bien. Ouais. Le but c'est de continuer à en vivre. Mais non, on jure, voilà, si je te jure. Que si. Je fais que ça. Je peux te dire, on en a regardé quelques-uns des épisodes de DJ Mode Emploi, ils se font tous Ghost Prod. Voilà, ils savent rien faire de la prod, ils savent juste mixer, hein, ce qui est déjà pas mal. Et ils sont tous Ghost Prod, c'est con. Et après, ils arrivent devant Bob Sinclair, ils disent ouais, non, mais c'est ma track, c'est mon titre, tu vois, ouais, j'en ai chié, hein. Ah la vache. Les vieux souvenirs remontent avec cette musique, ouais, de ouf. Continuez à faire que ça. Ça commence à dater, c'était en 2012 ça d'ailleurs, je crois. J'aime bien ce petit reportage, il se passe des choses, dis donc, à Bordeaux, là, entre la plage et le théâtre, tout ça, ça bouge bien là, non? Ah oui, Bordeaux, ça bouge bien. Sympa, ouais. Ça bouge bien. Un petit peu, t'as deux gros clubs à Bordeaux, ouais. C'est une petite ville, Bordeaux quand même. Oui, oui, théâtre, ça, c'est une belle boîte, moi je trouve. J'aime bien la clientèle, j'aime bien les DJ. Donc si tu mixes là déjà, c'est que t'as un nom assez imposé, je dirais, dans la région. Ah oui, si tu mixes au théâtre, déjà. Et après, j'ai pas mal. Il faut un booker maintenant. Ma ville. Oh, t'es de Bordeaux. Dans ta nice. Façon de parler, t'es un bon pote. On est quasi voisins. Là. Non bah, tu sais, jamais tu sais où tu vas. Tu fais pas oui, bon, je voudrais être DJ, mais je sais pas. Non. J'aime bien la façon dont tu parles. Comment tu fais pour communiquer? Tu sais, des réseaux sociaux, c'est hyper important, mais je voulais savoir comment tu fais pour communiquer. J'ai juste été vite fait sur ton Facebook. Oui, oui. Tu n'as rien posté depuis 3 mois. Non, sur la page fan, je poste plus. Il faut absolument que tu travailles là-dessus. Même ton Twitter, surtout si tu commences à jouer comme ça, être résidence. Ouais. Fais des selfies. Jouer. Toi, regardez, joue là, c'est ça qui donne de la crédibilité. Ouais, les gens, ils vont sur. Tu gères soi, du gers. Et puis, exactement. Si tu connais un petit peu. Il dit tiens, prends une photo. Tu as 40 bornes d'âge en quelque sorte. Non, et qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, hier elle était là, elle est rigolote, elle a une bonne image. Ouais. Je pense que tu peux améliorer un petit peu la tenue vestimentaire, ouais. C'est hyper important. Mm-mm. Au niveau de la technique, j'ai rien à te dire. Si tu joues dans ces endroits-là, c'est la technique est parfaite, tu peux sourire un petit peu plus. Juste à un moment, tu sais ce que tu veux? Ce que j'ai remarqué. Bon, déjà, moi, je regarde jamais personne quand je mixe. Puis il y a toujours quelqu'un qui cherche à te séduire. Oui. Que ce soit un mec, alors pas séduire sexuellement parlant, oui, bien sûr, mais attirer ton attention. Ouais. Et une fois que tu as quelqu'un, alors c'est forcément un casse-couille, qui dit ouais, alors toi t'es à fond de ton mix, t'es à 2000, et le mec te dit tu peux pas aller un petit peu plus fort s'il te plaît, alors que toi t'es là, ça te brise le moral pour la fin du mix. Par contre, ton regard peut s'arrêter sur quelqu'un qui s'amuse bien et qui kiffe son mix, et si tu lui fais un petit signe, alors là le mec il est en folie. Ah, il est en folie, putain, j'ai séduit la DJ, elle est sur moi, elle est à fond. Mais bon, là on va se revoir dans un mois, qu'est-ce qu'on va faire? Comment pécho sur la piste de danse? Conseil par Bob Sinclair. Il est bon Bobby. Dire aux femmes qu'il faut sourire, plus JPP. Ça vient de lui en plus. Hein. Pas trop souriant quand il mixe, mais bon. Pendant un mois, il faut travailler l'image. On dit que les réseaux sociaux, c'était hyper important. Ce qui est vachement important aussi, et ce que je fais moi tout le temps, quand je suis un peu en panne d'inspiration au niveau d'une prod personnelle, je fais beaucoup... J'appelle des coproducteurs. Vérité, véridique en plus. Mashup. Je fais beaucoup de remix. Et voilà, beaucoup de mélange. Ça personnalise ton DJ set. Mm-mm. Et c'est là où on va dire, merde, moi si je suis là par exemple dans la salle et que je t'entends jouer ça, mm-mm, même si ça, il n'y a que 3 personnes qui le remarquent, je dis, oula, elle travaille, elle cogite. J'appelle Guetta. Ouais, non, Guetta, il appelle ses coprods déjà. Ça, on a peut-être DJ Zebra qui peut t'aider là-dessus. Ouais. Fait beaucoup de qui match-up. Appelle Garrix, qui appelle Brooks, qui appelle. Ensemble, dans un gros club. Tu fais grave d'air mix. Tu fais grave d'air mix, toi.
D'accord. Si tu souris pas. Pour m'inspirer, c'est vrai. Sur tes platines, ah bon. Je viens derrière, je te mets une fessée. Pourtant, je crois pas que t'en sors beaucoup. J'ai pas allé sur mes platines. Eva de Coste, très charmante. Et là, on tient un truc. Pas assez derrière les platines. Oui, ça s'appelait. Merde, comment c'était la collab là, Brooks, Garrix et Guetta. I got you. Non, c'est pas I got you, mais. Ah si, I got you. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai toujours pas commencé à prod, mais t'es sérieux toi? La Kaidou, merci. Le Kissem qui nous dit cet après-midi, ouais, je suis en feu en ce moment, Coco, je vais tout déchirer. Et le mec, il est là, ouais, non, je sais pas. Je suis indécis sur le style que je veux faire. Ah bon? Pourtant, tu m'as dit, je vais vous éclater en bass house. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui s'aime musique, là? Bon, en même temps, ça va, hein. Il reste mardi, mercredi, jeudi. Hein. Il faut vraiment qu'elle travaille ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très, très important. Le monde entier a vraiment l'œil rivé. Je fais deux drops de bass house différents, là. Que ce soit une vie professionnelle, une vie privée. Donc, il faut travailler ça. Ensuite, décide-toi, mec. Pour améliorer son mix. Bon, là, elle est très performante. Et je crois, je pars sur de la mood battle. Dans un club. Plusieurs clubs à Bordeaux, elle a des résidences. Il dérive. Mais je pense que pour améliorer son mix, c'est le personnaliser. C'est faire des remixes, des mashups, voilà, des bootlegs. Pour essayer de commencer, qu'il me reste 1h04 tristesse. Oui, t'es arrivé un petit peu en retard, ouais. C'est vrai. Pour Eva de Coste, il est temps de monter à la capitale. De coaching pour une nouvelle vie. Bon, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un concert, elle aussi? Pour bosser sur les mashups. Hey, Amnedge, comment il va? On va voir ce que ça donne. Il paraît qu'il est très méchant en plus. Le mashup, faut choisir, ouais. C'est l'art de mélanger deux titres d'artistes très différents pour en faire un seul morceau. Bon, ça va. Déjà, c'est cool. Cet épisode, ça va pour le moment, tu vois. On n'a pas trop à redire parce qu'on va voir quand même de la technique. Là, on va voir faire un mashup. C'est cool. C'est mieux que l'autre qui partait faire un concert, voir un concert des années 80 à Le Havre, là. Mes couilles. Tranquilux. Tu fais le TC Amnedge ou quoi? Ou tu viens juste passer une tête? Trop dur. C'est DJ Zebra. Par contre, vous connaissez DJ Zebra, je connais pas, je connais Hop. Hein. De toute façon, je vous promets de sortir un truc quali à la fin. Ok, merci Kissem. Eh ben écoute, on attend ça avec grande impatience, hein. Je bande d'avance. Le mashup, c'est... Je suis carré en ce moment, je suis... C'est un mélange qui est pas que musical. Hein. Spectateur, d'accord. Ok, voilà, pas de soucis, Amnedge. Où on mélange... Bah, j'espère que tu vas bien quand même, hein. Qu'est-ce qui te rend KO comme ça? C'est un détournement, quelque part. On se permet de détourner de la culture populaire, des choses qui existent déjà, et on les intègre. Oula. Alors là, elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Elle est en train de voir Ableton, je crois que déjà, elle a tilt, hein, la pauvre. La DJ, c'est Eva? Ouais, c'est ça, c'est Eva. Oui, du coup, moi, je voulais te montrer un petit truc que j'avais bricolé. Ouais. Ça, tu vas me dire si c'est propre ou pas, du coup. DJ Zebra, le maître français du mashup, offre une leçon privée à Eva. Ok, je suis vraiment mauvaise langue. Hein. J'ai été mal habitué avec cette émission parce qu'en vrai, non, en fait, elle travaille quand même. Hein. Je te disais tout à l'heure, t'as commencé par un truc simple. Là, c'est nickel, ça le fait. Le mashup, ça peut être important pour elle et pour tous les DJ parce que ça permet d'inclure des chansons déjà connues, enfin des éléments de musique populaire. Ouais, c'est vachement important. Ouais. Connues pour éveiller la curiosité des gens et puis des danseurs surtout. Et d'en faire autre chose et de pouvoir les surprendre avec sa propre identité. C'est-à-dire que si Eva aime deux styles musicaux mais qu'elle a du mal à les mixer ensemble une soirée, dans le mashup, elle peut les mélanger et puis créer quelque chose d'inattendu. Démonstration. Zebra va maintenant produire avec Eva un mashup entre la musique du DJ Michael Calfan et la voix d'un classique d'Eminem. Là, on a le tempo qui est calé, tout est calé. Tout ce qu'on va mettre dans le logiciel maintenant, ça va se caler automatiquement. Donc moi, je me fais des micro-découpages comme ça où je les sélectionne, ce qui me permet après de soit les remettre en boucle, soit... On va changer toute l'organisation du titre d'origine. On peut être choqué par le mélange, mais il ne faut surtout pas être choqué par la musicalité. Donc là, il y a quelque chose qui est au-dessus du simple remix. On est en train de créer des duos virtuels, on est en train de mélanger des gens qui ne sont jamais rencontrés. Donc il faut vraiment, musicalement, il faut être assez aguerri, il faut quand même avoir... Oui, bon, ça va, tranquille, ouais, c'est pas quand même faire un remix. Oh, le mec, il vend le mashup comme le truc ultime de la MAO, quand même. Allez, tranquille, calme-toi, mec. Hein. Ah, j'ai fait une pub pour mon jeu mobile, elle est partie en couille, du coup, j'ai taffé hard dessus, et là, je suis lingate. Ah bah, tu m'étonnes. Mais au moins, c'est bon. C'est fini, c'est fait. Ableton, c'est un bon, lui. Bah quoi? Bien fait, le studio, aussi. Il est bon, lui. Ouais, non, mais il est un peu condescendant, j'ai l'impression. Quoi pour s'en sortir? Par contre, il est nickel, cet épisode. Pour une fois, c'est bien la première fois qu'on kiffe un épisode. Non, la deuxième fois. Le papy, c'était pas mal. Du coup,
juste pour du simple, prendre une instru, mettre une acap, ça va à peu près. C'est vraiment modifié comme tu es en train de me montrer, qui est, voilà, c'est, tu rentres plus en profondeur dans le morceau et... Bah là, ce que j'ai pris, en plus, l'acapella d'Eminem que j'ai pris, il est super fourni, on va pas prendre tout Eminem. Oui, oui, ouais. Quoi. Le but, c'est par rapport à ton contexte, de prendre ce qui est intéressant dans, chez Eminem, et puis de le caler en boucle. Ça roule tout seul. C'est ça la magie des logiciels maintenant. Ouais, bon, allez, ça va, c'est pas compliqué à faire, ça, hein. Ce qu'on a fait, c'est putain. On a pris la capella d'Eminem qui, dans la chanson, est plus lente, hein, voilà. Et le fait de le mettre dans le logiciel, il s'est recalé automatiquement sur ton instrumental. Donc maintenant, Eva, je vais te laisser la main sur le logiciel et on va voir comment t'arrives à caler la capella d'Eminem là-dessus. Alors, faut que je la remette. Ouais. Tac. Ça donne plus péchu, je pense, du coup. Ouais. Ça bien, ah, ça, bon en plus, hein. Il y a les idées, il y a les idées pour la structure, pour non, ça va, elle est pas mal. L'arrangement. Ouais, j'ai découvert le tempo, là du... Non, mais à l'écouter, le mashup, aussi, c'est un truc hyper hard, c'est... Enfin, la touche à l'ordi. Ouais, non, en vrai, ça va, hein. Elle a un background, hein. Elle passe vraiment bien, hein. Ça passe carrément bien, ouais. Et Guetta, il est team Ableton. Oui. Pas les team Toon. Ouais. Yes. Ça, je vais la faire sur les chaussettes, là. Il s'arrête pas tout de suite, quoi. Ouais. Yeah. Et le but, c'est ça, exactement. C'est après, une minute plus tard, tu reviens avec la capella, mais avec un autre endroit, un autre moment. Ouais. C'est ludique, j'ai un bon prof, c'est donc c'est bien. Exactement. Faut se marrer. Non, mais c'est vraiment ça, ouais. Dans les mashups, c'est ça. Tu peux te contenter d'un truc très, très court et très simple qui, ouais, et que ça excite les gens. Et après, ouais, tu peux, clair, au contraire, faire une, ouais, espèce d'œuvre totale. Et là... c'est vraiment au feeling, quoi. Par rapport à, surtout par rapport aux besoins de ta piste de danse. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Après 3 heures de prod aux côtés de Zebra, Eva repart avec son premier mashup sous le bras. Et en plus, ça rime, c'est merveilleux. Eva, comme lui a soufflé bon, Bob okay, Sinclair, ça va, c'est être cool. Un peu plus active sur les réseaux sociaux. Ah, en vrai, c'est cool pour le moment. En vrai, c'est cool, hein. Mieux que l'autre... bon, bref. Elle a donc rendez-vous avec Anthony Gnossi. Ah tiens, on le revoit, lui. Et spécialiste des réseaux sociaux. Bob Sinclair m'a dit que t'avais besoin de petits conseils pour tes réseaux sociaux. Ouais, honnêtement, c'est quelque chose qui me prend la tête. Le mec, c'était paysan. Les réseaux sociaux, c'est... Je sais que c'est important. C'est vrai. Je sais, mais moi, je préfère passer du temps à chercher du son et à mixer derrière mes platines que d'être tout le temps derrière Facebook, en quête de... Après, c'est une vraie passionnée. Pour le coup, je crois que c'est rare. Hein. Il n'y avait que le papy dans cette émission de merde qui était vraiment passionné. Elle, ça va. Ça se voit qu'elle est vraiment passionnée, tu vois, parce que là, elle dit « Non, mais moi, je m'en bats les couilles, les réseaux sociaux. Moi, je veux faire mon truc, tu vois. » Comme nous tous, hein. Je crois que je prends n'importe qui au hasard dans le chat, les réseaux sociaux. Bon, bah voilà. On y pense, mais de loin. On publie du contenu tous les 3 mois. Ouais, c'est chiant. Ouais. Là, on parle d'une artiste, en fait, d'une DJette, qui aujourd'hui veut percer, veut évoluer dans ce milieu-là. Donc, c'est un milieu d'artiste. Donc, aujourd'hui, elle devait se créer un personnage. Et ce personnage sur les réseaux n'existait pas et complètement, voilà, ça n'existe pas pour elle. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que pour que ses fans la suivent, créer sa fanbase et que les gens puissent la retrouver et puissent suivre son actualité. Faut que tout soit clair et tout soit carré. On va regarder un peu ce qu'il y a là maintenant sur tes réseaux. Ouais. On va rigoler. Le réseau qu'Anthony préconise pour Eva, c'est Instagram. Ah, bah, ah tiens, privés. Déjà à l'époque, ouais, Instagram. C'est pas évident pour une personne qui te connaît pas de rentrer vraiment. J'ai rien publié depuis 4 mois. Ouais, bah t'inquiète, moi je suis pas déjà, mieux. Bon, hey, bonsoir. Hey Tom, comment ça va? Pas trop fatigué? On a un profil privé. Oui, privé. Parce qu'après, dès que tu vas le passer en public, il va monter, mais très rapidement. Je viens de me détendre, je risque de m'endormir ici. Mais j'ai... Bah écoute, pas de soucis, on est en mode DJ Mandant que tu connais. Salam, comment il va? À l'américaine. Oh. T'as beaucoup de photos privées de famille plutôt, des photos. À l'américaine. Voilà, avec ta sœur. De faire le Tessal américaine. Voilà, je pense que pour vraiment basculer d'un compte privé. Salut! Tout le monde débarque en même temps. Vous vous êtes donné le mot, quoi? Je me fais raid! Putain, je me fais raid! Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tous. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, bienvenue. Pour le moment, ça va. C'est demain la plus grande journée. D'accord. Eh bah écoute, Alhamdoulilah. Ah, 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 ah. Ouais, je me fais raid. Ouh là là. Bon, les amis, qui veut faire le TC? Ou qui veut regarder DJ Mode Emploi avec nous, hein? Voilà, qui ne concerne pas forcément. Ouais, mais bon, au moins repartir sur des bonnes bases. Ouais. Voilà, ça va être toi platine, ça va être toi en tu te fais raid. On va aller voir Red Ricudo après, il stream sa participation. Tu peux garder ton petit chien, c'est toujours sympa aussi, les gens aiment bien les petits chiens. Combien de temps il reste d'ailleurs? Est-ce qu'on y arrive pas le voir maintenant? Des fois, je regarde, moi, ça c'est quoi le TC? Point d'exclamation TC, Lucas. Ouais, je les ai passés à la trappe. Je mets un petit peu sur Facebook de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a la page Facebook. C'est Track Challenge. Il y a le Instagram, il y a le Twitter. Genius, Mary.
Je peux faire écouter le sample 2 secondes s'il te plaît, je suis sur tel. Oui, si vous voulez, je vous fais écouter le sample de ce soir. Merci Thomas. Ça fait un peu flipper avec avec ça. Attendez, on va aller voir Redri Kudo là, un petit peu. On va aller voir ceux qui participent là. Bah, si vous le savez pas, il y a Red qui stream et il y a Heroic aussi qui stream leur participation ce soir. On va aller les voir un petit peu là. Histoire de rigoler. Pas rigoler. Ouais, stylé ça. Stylé ça. Pardon, Red. Pardon, mais ça doit être hyper stylé en vrai. T'arrives au meilleur moment. Je vous drop le sample hein, si vous voulez faire le TC comme Red Ricudo actuellement. Hein, si vous voulez participer et tenter de gagner votre pack de samples ce soir. Hein. Et être qualifié pour la finale de vendredi. Par contre, le contre-jour, merci quoi, Red. Non, c'est stylé. Ok, mais il est en train de se chauffer de ouf, le con. Sachant que Red Ricudo est vainqueur de la première semaine full TC. Hein. Il y a une répute. Hein. Plus gros palmarès, hein, je le répète jamais assez. Milan Ricudo. Non, c'est pas Milan, là. Il est en train de se chauffer, n'empêche. Hein. Oula. C'est qui lui? C'est Red Ricudo, c'est un de mes modérateurs, Time. Qui est en train de streamer sa participation, tout simplement. Donc on se spoil un tout petit peu, après on va passer chez Heroic vite fait, avant de reprendre l'épisode. J'ai l'impression qu'il est en train de se chauffer là. T'as une bonne gueule pour le moment. Ouh, je sais. Jean-Jacques Redman. Si, toi. Ah, attention, il va sortir la guitare. Ah, il se chauffe, hein. Ah, il donne tout, c'est bien. Hein. André Kudo qui était qualifié un lundi, d'ailleurs, sur la première semaine full TC. C'était un lundi qui s'était qualifié. Allez, dans 30 secondes, il va nous faire une interview. Ceux qui ont la ref. Ah, il est en train de se chauffer, hein, en vrai. Vous vous demandez comment il fait ses TC à chaque fois, c'est ça. Hein. Il s'enregistre et tout, il fait sa petite guitare. Il n'y a pas eu l'alerte? De quoi? Quelle alerte? Ah, le follow! Ah, il n'y a pas eu le son? C'est normal, j'ai coupé. J'ai coupé, j'arrive pas à le remettre. Merci du follow, Lucas! Je t'ai vu sur le Discord d'ailleurs. Je t'ai vu sur le Discord. Mais oui, t'es sur mon Discord toi déjà. Est-ce qu'il y a eu la cassette ou pas? Ah, parce que là, Stream Element il est cassé. Hein. On a eu 15 subs offerts par Heroic Prod tout à l'heure, il a tout pété. Attends. Ce truc, en fait. Ah non, elles sont cassées les alertes. Hein. Non. Sound d'alerte. Non, c'est pas ça. Attendez. Rafraîchir. Hop. Ah putain, elles sont cassées mes alertes, mais c'est pas possible. Ouais, ça a marché. Attendez. Et là, ça marche. Bon ok, mes alertes elles sont cassées ce soir. Désolé, mais je l'ai vu, hein, merci. Regarde mon pseudo. Je vais te manger, regarde mon pseudo. C'est quoi? Oui, t'es sub. J'ai follow en plus. Pouxy aussi? Ah bon? Ah, par contre, toi, je te vois pas, Pouxy. Ou alors, les alertes sont vraiment cassées chez Twitch aussi? Bon bah merci à tous ceux qui viennent de follow et tout, hein. Désolé, les alertes sont cassées ce soir. Je viens de sub, je voulais la musique, moi y'a rien eu. Tu viens de sub carrément? Toi, tu de toi-même, tu viens de sub. Mais non, mais je crois que les alertes Twitch sont cassées au final.
Bah merci Tom. Putain. Ça c'est inattendu ça. Oh la vache Tom. Ah bah merci beaucoup mon petit Tom. Fallait pas. Moi si j'ai sub pas follow, désolé. Sérieux mais les mecs. Merci, merci les gars. Alors vraiment désolé, les alertes là sont cassées de ouf. Mais là c'est Twitch. Pour le coup c'est pas Stream Element. Parce que je le vois même pas dans mon fil d'actualité Twitch. Le dernier événement de mon fil d'actualité, c'est le follow de Lucas. Je voulais faire la surprise avec la musique. Mais ouais, oh merde, putain. Non mais je crois que les alertes sont cassées sur mon stream carrément. Il y a un problème. Il y a grave un problème. Oh punaise. Bon bah merci à tous ceux qui ont peut-être follow ou sub en ce moment-là. Je vous ai pas joué. Ça n'a pas joué parce que les alertes sont cassées. Merde, comment je peux régler ça moi? Ouais, que je relance le stream en vrai. Je pense que si je relance le stream, ça peut le faire. Alors attendez. Vous savez quoi, je vais cut vite fait. Ne bougez pas, hein, ne bougez surtout pas. Ce n'est pas la fin du stream. Je vais juste cut et relancer le stream. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que voilà, il y a une manipulation qui consiste à relancer, cuter, relancer si on n'a pas le choix de la qualité comme on a maintenant. Hein. Donc si vous faites la petite roue crantée ici, vous voyez que vous pouvez suivre le stream de 160p à 720p. Donc si je relance et que ça recut derrière, c'est que je suis obligé de subir le full 720. Donc si on le relance, il y aura la musique magique. Je sais pas, mais non, alors je l'aurai pas, mais au moins j'aurai les alertes après du coup. Bougez pas, c'est ce que je vais faire. Hein. Ne bougez pas, j'arrive.